Hello tout le monde, c'est Asso. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode sur GTA V. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Moi ça va plutôt pas mal, on va bien rigoler sur ce jeu, je le sens bien moi. Tiens, salut, ça va? Bien, tranquille. Alors on se retrouve devant chez moi en fait, je pense que ça doit être ma maison. Et on va directement rentrer comme des brutasses. Salut maman, t'es toujours encore devant la télé? Non, t'es pas là. Oh. Oh. Illuminati avec la pyramide et tout. C'est très intéressant. Salut Denise. Denise n'est pas disponible pour l'instant. On avait essayé de l'appeler la dernière fois, ça marchait pas. Oh, il y a du soin également. Qu'est-ce qu'on a là? On peut changer un truc là? Non, on peut pas changer la zik. Ok, d'ac. D'ailleurs, ma santé, elle est où? Ah, c'est la barre verte qui est en bas. Très bien. Okidoki, on peut se choper un truc à bouffer ou pas? Pour boire une bière? Yes. Voilà, ça c'est bon ça. Exactement, fais-toi plaisir, prends une bière. C'est comme ça qu'on commence. Allez, comment? Ça passe ou pas? Très bien. Alors, lors de l'épisode précédent, les amis, j'ai dû faire une ellipse en plein milieu parce que mon logiciel de son a planté. C'était extrêmement dérangeant dans le sens où j'avais peur en fait que l'épisode, je puisse le retaper. Voilà. Non, heureusement, j'ai réussi à récupérer le fichier du son, donc c'est ok. Je peux vous proposer cette introduction. Sur GTA, je suis super content. Il y a vraiment pas mal de choses égyptiennes là-dedans. Hein, quand on regarde. Intéressant. Et alors, il y a 2-3 trucs qui m'ont énervé quand même. Pendant qu'on va aller jeter un coup d'œil à ma piole et échanger de fringues, tiens. Yes. Première chose, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà que j'ai dû créer une session sur Windows parce que le jeu ne chargeait pas. Ouais, alors déjà, ça m'a énervé. Hein? Parce que en fait ma session elle a un accent. Voilà, mon nom de session a un accent. Et du coup il ne supporte pas les accents. Et j'ai dû recréer une nouvelle session sur Windows pour que le jeu se lance. Ridicule, mais ridicule. Bref, ça c'était la première histoire. Et ensuite ce problème de son là. Bref, on va voir si ça va continuer ou pas. J'en sais trop rien. C'est bien ça? Bon, non. Ah, ça c'est les tenues directement. Ok, ouais, je veux pas de tenue, moi je veux un costume, tiens, exactement. Ah, j'ai pas. Pas d'article, les cravates, pas d'article, d'accord, très bien. Veste décontractée. Veste, pas d'article, t-shirt, pas d'article, d'accord. Lunettes. Pas de lunettes, lunettes street. La classe. Un chapeau. Ouais. Ok. Suite à capuche gris cendre. Ok. Wow. Ça c'est bien ça. Ok. Veste, je n'ai pas besoin du coup. Pantalon, on va y voir. Ah. Ah non, le jean, clairement. Chaussures. Le jean désert. Tennis blanche. La classe. Ah putain, Fatch, il y a des trucs hein. Short, j'ai un short. Oh yes, j'ai un short. Redemande mon pantalon. Ouais, très bien. Cool. Oh la classe toi. Putain, y a sacrément des trucs, hein. C'est nice. Ouais, on va rester comme ça pour l'instant, ça me paraît bien. Alors dormir, j'ai pas envie. Par contre, on peut sauvegarder. Ça c'est un truc qu'on pourrait faire, tiens. Et j'ai un message. Non, j'ai pas de message. Ah, c'est un mail. Tanisha, c'est fini. Ah bah super. Franklin, je sais pas pourquoi je t'écris, mais crois-moi. Ce n'est pas parce que je désire secrètement qu'on se remette ensemble. Pas question, ni maintenant, ni jamais. Tu es comme tu es. Ok. Et on n'y peut rien. J'ai longtemps attendu, mais tu ne changeras pas. J'ai quelqu'un d'autre à présent. Je suis enfin heureuse. Avec tout ce que j'ai traversé après la mort de mon frère, je comprends que la vie que tu m'as n'est pas faite pour moi. Non, je l'ai toujours su. Je ne suis pas assez forte. J'en ai pas envie. Je cherche autre chose et certainement pas l'argent. Bref, j'essaie juste de dire au revoir. Tu resteras toujours mon ami. Rien de plus. Tanisha. Connasse. Réponse. Ne dis pas ça. Suis ta route pour le moment, mais attends-moi. On est fait l'un pour l'autre et tu sais, je t'aime. Oh, c'est beau. Vas-y, envoie-lui.
Ok. Sauvegarde rapide. Sauvegarde rapide. Ouais. Parfait. Sauvegarder, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Contact. Ouais, bon, ça c'est bon. SMS, j'en ai pas. Liste des activités. Pas d'activité, d'accord, très bien. Paramètres. Fond d'écran. Fond d'écran. Arrête. Je peux changer jusqu'à ça. Seriously. Ok, profil. Si vous sélectionnez le mode veille, vous ne recevrez pas les appels, ce qui peut suspendre la progression de l'histoire. Choisissez le mode normal dans ce menu, activez une mission existante pour quitter le mode veille. Ok, on va peut-être rester en mode normal, hein. Sonnerie. C'est bien ça. Thème. Bleu, vert, gris, orange, rose, violet, rouge. Oh, rouge. Ah ouais, ok, hop. Et ils sont allés loin. Vibration, bah avec, hein. Dormiche. Ok. Je suis content. Snapmatic. Tu peux prendre des photos? Maintenez L pour verrouiller la mise au point. Conserver la distance de mise au point pour... D'accord. Gris, cadré. Zoomé. Filtre. Arrête. Eh, ils sont partis loin. Bordure. Ah, arrête. Oh, c'est génial. C'est énorme. C'est énorme. Oh, c'est qui coupe, mais c'est énorme. Mise au point, ça c'était bon. Mode portrait. Mode portrait. Ah, oui. Le selfie des familles, quoi. Attends, on va faire une photo dans ma piole. Nice, flou d'arrière-plan. Ah, j'ai reçu un email de Tanisha qui me répond. Le flou, non. Jouer une action. Non, la blague. La blague. C'est énorme. Ok. Choisir une action. Ah, c'est écrit en haut à droite. Représente côte ouest. Côte ouest. Énormissime, toi. Ok. Un filtre, ça c'était bon. Les bordures aussi, j'avais capté. Ah bah, on va prendre la photo. La classe, mec. Ouais, sauvegarde, normal, toi. Elle est énorme. Dans la piole toute dégueulasse, c'est ça. Ok. Quitter, ouais, quitter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Internet. Ah non, d'abord on va voir le mail que ma chérie m'a envoyé. Ouais, va. Non, tu te trompes. On n'est pas fait pour être ensemble. Tu dois comprendre que tout a un prix. Cette rupture est la conséquence des choix que tu as fait. On ne peut pas revenir en arrière. Je te le répète, j'espère que tu réussiras et qu'on restera toujours amis, mais je veux une vie normale. Tanisha. Tu es perturbé, je comprends ça très bien, mais le gars qui veut pas comprendre, c'est... Mais je serai toujours là pour toi. Oh, c'est beau. Très bien. Alors ça, c'est... On a Internet également. Ah ouais. Ah ouais, on a Internet, et puis on a Internet correctement, quoi, c'est bien. Média et divertissement. Responsable de baisse mondiale de la productivité. Arrête, t'es sérieux? C'est... raison. Du coup, sur le site officiel pour avoir plus d'histoires sur les personnes que je n'ai pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Restaurant et bar, agence et argent et service. Si de la bourse. De la bourse? Arrête, ils ont craqué? Ils sont allés jusqu'à là? Mon portefeuille? Vous pouvez pas acheter des actions. Ah, tu peux acheter des actions aussi! Oh, c'est incroyable! Et putain, il y en a! Et ils sont allés très loin! Ils sont allés très très loin dans le bordel. C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, de bas. D'heure de l'immobilier. Mission le rouge. Confiez votre argent en toute confiance. La banque de Liberty. Nom de gestion inconnu, vous ne semblez pas avoir de compte dans cette banque. D'accord. Bienvenue, hein, voir les transactions du compte. Hôpital. Ah oui, c'est quand j'ai... Oui. Oui, j'ai eu un petit problème dans l'épisode précédent. Souvenez-vous, avec un dirigeable. Ah, voilà. Bon, c'est pas... Hein, voilà. Voyage et transport, qu'est-ce qu'on peut faire là? Parcourir notre gamme d'appareils neufs et occasion, hélicoptère, avion. Oh. Oh putain, là ils m'ont eu là. Là ils m'ont eu direct là. Oh ouais, il est bien le Maverick. Sympatoche toi. Non, avec les originaux. Wow.
putain, la classe. La grande classe. On peut acheter un tank. Buzzard d'attaque, 2 millions. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Acheter un bateau. Plus grand magasin cyclisme. Ah. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Mode et santé. Ah, pour les fringues, je suppose. Ouais, voilà, shoes. Le yoga. Private class. C'est juste énorme. Bon, très bien. Donc, ouais, ok, pourquoi pas. Alors, ils sont allés vachement loin dans le délire, hein. C'est juste énorme. Bon, très bien. On va récupérer notre bagnole. Et on va aller voir Simeon, notre boss, en fait, hein. Moi aussi. Ah, Tanisha qui nous a répondu, voyons voir. On peut ouvrir le téléphone Ouais, on peut ouvrir. Ton. Eh, j'espère que la musique, elle est libre de droit, hein, parce que sinon, YouTube, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, on fait comment pour changer. Ah, on va voir pour la radio après. Moi aussi, mais seulement en tant qu'ami et rien d'autre. Si tu n'es pas capable d'accepter ça, alors il vaut mieux qu'on coupe les ponts, ok. Je vais me marier, très bien, avec un homme bien. Un vrai, j'espère que tu es content pour moi et que tu sais que c'est ce dont j'ai besoin, pardon. Oh là là. Ah, y'a pas de réponse possible là. Bon bah, tout est fait en play, mon ami. Hein. Voyons voir. On est parti. Attends, je vois rien. Oh là là. Alors, direction le garage. Ou comment dire. La concession de Simeon. On va voir ce qu'il a proposé, le monsieur. Il y a un flingue juste à côté, je sais pas trop ce que c'est. Wouhou, salut. Eh, moi je me gare où? Putain, tu peux pas mieux te garer, toi? Bon bah, je vais me mettre là, alors. Oups, j'ai touché un petit peu. Ah oui, c'est vrai. J'ai touché, alors je ne sais pas comment et avec quoi, mais j'ai touché. Ah, et si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans le machin d'à côté, là? Ça a l'air rigolo. Sinon quoi? Hein? Voilà. Il est flippé, regarde-moi. Putain, pète. Bien. Bien le bonjour. Oh. Ouais, c'est toi que je veux. Je veux le gros flingue, s'il te plaît, monsieur. Il irait vachement bien dans ma chambre, non? Qu'est-ce que vous en pensez, hein, franchement? Alors, on a quoi, là? Protection par balle. Ok. Les hauts. Ok. C'est quoi, ça? Oh, un couteau. Pour voir les... Protection par balle. Non, ça, c'est derrière moi. Bonjour, monsieur. Pour voir les armes. Oui, je veux voir les armes. C'est quoi ce truc? Un parachute? Ah oui, c'est vrai que ça peut être pratique, ouais. Pistolet mitrailleur, 850 balles. Ouais, j'ai 330 balles, on va pas non plus... mitraillette, mitraillette, ok. 1300, fusil d'assaut 1400, ok. Gratuit. Bah prends. Prends si c'est gratuit. Je veux celle-là. Comment on fait? Balles x 60. Ah, je peux acheter des accessoires derrière encore. Teinte armée, teinte vert, teinte orange, teinte rose, oh mon dieu. Teinte or, teinte platine. Chargeur de grande capacité. Putain, c'est génial. Silencieux, oh la classe, mon pote. Ah, et on a les stats qui changent en bas. C'est génialissime. Mais si c'est gratuit, comment te dire, je veux bien. Oh, un roquette. Un lance-missile. Everything in here has been personally tested by yours truly. Okay, let me know how you get on. J'ai capté tab pour changer les armes et j'ai déjà la mitraillette d'assaut. Ok, je comprends pourquoi tu veux pas me la filer. Bon, très bien. Et on peut tester les armes là ou pas? Non, parce que tant qu'à faire. Alors oui, l'épisode, les amis, j'ai pas encore commencé l'émission, hein, je suis navré. Hein. J'ai payé 14 balles pour ça? On dirait visiblement. Bienvenue dans le stand de tir ammunition. Bref, compte à rebours, les cibles commenceront à descendre. Ok. Une fois que toutes les cibles sont détruites et que le temps imparti est écoulé, la manche se termine. D'accord. La manche de précision. On va toucher, on va calculer en fonction zone 4, 10 points. 25 points, 50 points et 100 points, c'est ça? Pour le centre, d'accord, très bien. De toute façon, j'ai bien compris qu'il fallait viser le centre, vois-tu.
Barre de combo, votre multiplicateur peut monter jusqu'à 3. Ah, on a... Ok, plus on touche, mieux... Et mieux on touche, plus on a un combo et plus on fait de points et tralala. D'accord, très bien. Alright, understood. Ah, arme lourde, ok, d'accord. Arme de points. Défi 1, défi 2, défi 3. Alors, défi 2 et 3 sont bloqués. On peut avoir 3 médailles différentes, ça, ok, très bien. Arme de points, voyons voir. Ah, j'ai que le pistolet qui dispo. Et le défi 1. Bon, bah, très bien, on va commencer avec ça, hein. Juste pour tester, quoi. Pourquoi pas. Voyons voir. Bam, bam, bam. Ah, le combo est monté. Je fais plus de 100 points, je fais 200 maintenant. Oh, le rechargement. Vite. Est-ce qu'il y a un timer là-dessus? Ah oui, il y a un timer, bonus de temps. Exact. Score 3000. Allez, bim. Or, 2800. Ça y est, c'est bon, ça. Alors, c'est nous, c'est pas nous. Cible mouvante multiple, pardon. Les cibles sortent automatiquement. 20 000. Putain. Vas-y, elles sont où tes cibles? Ah, faut tirer plusieurs fois. Oh, le rechargement, non. Oh, sour. Oh, vite. Oh, dur. What? Putain, c'est chaud, ça. Ah, en fait, je vais peut-être tirer un peu plus brutalement, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça paraît bien, hein. Ouais, d'accord, j'ai capté. On va tirer comme un sac, en fait. Croissant. 9007. Oh, les nerfs. Non, mais faut claquer 20 000 avec ça. Ouais, tendu, hein. Pistolet de combat. Ah, on peut changer de flingue, ok. Ah bah, ça va être vachement plus simple avec ça, oui, en effet. Ah oui, en effet, ça va être vachement plus simple. On est déjà à 12 000, hein. Ah oui, vu comme ça, c'est certain. Ah, sour! J'ai 18 000! No, seriously? Attends, ça va pas du tout. Je vais y arriver. Je le sais, je vais y arriver. Ah, dur! Et 21 000, yes! Tu vois quand tu veux? Parfait, mais du coup, ah ouais, ça se... D'accord. Cible mouvante, les cibles sortent automatiquement. Bah, c'est avec le pistolet de combat, je sais pas trop ce que ça va donner. Oh, c'est génial, ce truc! Oh merde! Oh, oh là là! Oh là là, mauvais, c'est mauvais. Ok, très bien. Je suis très mauvais. Sur 15 000. Mais t'es cinglé ou quoi? Holy Jesus. Bah, en fait, tu prends ça et ça passe, hein. J'ai envie de te dire. Et il faudra peut-être essayer de faire des mouvements latéraux pour suivre et peut-être la cible. Ouais, voilà.
Ouais, non, ça marche pas. Faut mieux viser en fait. Ah là, bam! Vas-y, ramène! Je suis mauvais, c'est incroyable. Allez, allez, allez! Voilà. Allez, ouais, ça passe, ça passe, ça passe. 13 000 points. Vas-y, tourne, tourne, tourne. C'est bon! 16 000! Yes! Gold. Bah voilà! C'était facile! Mais du coup, ce qui est bizarre, c'est que les armes de points, enfin. Ouais, je sais pas. Enfin, tout est groupé en fait. Moi, je me suis dit que chaque arme avait un défi différent et. Mais non, en fait, non, pas du tout. Donc, tu choisis ton arme en fonction de. Oh putain, le Desert Eagle, mon pote. Bam! 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 L'arme de compétition. Ah, j'allais dire, il y a combien de balles dans le chargeur, c'est complètement flippant. Ah ouais. Wouh. Ça ouais. C'est bon ça. Très bien. Bon, mitraillette, on fera ça un autre jour, les amis. Je voulais juste tester, mais c'est assez rigolo. Je suis assez content de ce truc-là, voyez-vous. Quitter le stand de tir, ouais. Eh bah, c'était marrant. Franchement, c'était bien marrant. Ok, voyons voir. Salut, hein, merci, c'était sympa. A plus. What's up? Wow, rien de spécial. Oh, ma voiture. Oui, parce que on rend du côté conducteur, on en a rien à foutre. Vraiment, les bornes que je vais faire, ça va être incroyable. Regarde bien. Voilà. C'était bien, hein. Eh bien, c'est une caisse bien dégueulasse, ça. Bon, voyons voir. Oh, putain, les effets sont vraiment géniaux. C'est magnifique. C'est franchement, c'est magnifique. Allô, bonjour. Elle est où la mission? J'ai pas de mission. What the freak? Elle est où la mission? Pourquoi t'as disparu? Pourquoi t'as disparu? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah bah elle a nouveau apparu. Qu'est-ce que c'est que cette... C'était un petit peu une blague ça, non? Moi ouais, j'ai pas compris. Personnellement je n'ai pas compris. Bah c'est pas important, hein. Il avait l'air vachement pressé ce motard là. Ça a dû vous planter. Re, ouais, navré, hein. Je sais pas pourquoi, putain, il plante ce logiciel à la con. Look man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, ah. Oh, les flip-flop chaussettes, mon pote. Trop magnifique. Alors lui, il a une classe incroyable. Oh, ça va chier dans la chaumière. Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us... What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Yeah. What are we waiting for? Magellan Ave, nigga. Vespucci Beach. And you still rolling with that old raggedy ass hair?
Prends ma caisse, on y va. Alors, on va récupérer. Alors, je sais pas si on va récupérer une moto ou si on va casser la tête à quelqu'un là. On va voir ce que ça va donner. Allez, on dégage. Oups, désolé. Les deux sont en train de se prendre la tête pour un truc employé du mois, quoi. C'est incroyable. Surtout dans ce genre de business. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man, look, we go in quiet, in and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back like motherfucker, and you love me for it. J'aurais pu prendre la prochaine remarque, hein, c'est vrai. Right, homie. Nothing but love, man. That's Simeon a funny dude, though, huh? It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. Et on est arrivé. Bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Do as I do. Suivez la mare, ok. Ah ouais, toi, genre toi tu rentres nature comme ça chez les gens, quoi. C'est bien ça. Ouf. Hey, what's up, homie? You alright? No, wait from me. We're for sample agents. Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Oh putain, il est bien wasted lui aussi. Play it cool. Ah, tu vois ça? Ça, c'est un truc, je le sens pas trop là. Salut, ça va? Comment qu'on s'est fait zioter là? A mon avis, ils vont revenir ces deux là. Je sais pas pourquoi, mais. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look. Oh, y'a un nouveau Garfield qui est là. This is shady ass app. Oui, premier épisode, Garfield, il l'a mal vécu quand même. Hein. Souvenez-vous. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. It's in one of these lockup. Mm-hmm. Bah alors, voyons voir. Fouiller les garages. Eh, hey, surprise, pas de bécane. Par contre, il y a juste deux mecs qui nous ont vu rentrer dans le garage. Alors, à mon avis, tu... Hola, amigos. Ah, ils sont trois, pardon. Hola, SA. So you're trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this motherfucker? Oh, shit. Ok. Prends le flingue, t'appuies sur tab, prends le flingue, allons-y. Ils sont où les vilains? Il est où l'autre? Get in behind that truck, homie. They got me pinned down. Shoot that gas can. Follow me. Et on fait comment prendre les munes? On fait comment prendre? Il y a des munes par terre, non? Putain, il y en a encore un. Il est où? Oh dieu, il est en haut, le. Oh nice. Je suis tout cramé avec ce machin, c'est génial. Et mes munitions sont où? Merde, j'ai pas réussi à l'avoir. Franklin est mort. Ah, je suis décédé. Intéressant. Ok, Dak. Bah écoute, y'a pas de problème. Oui, en même temps, j'étais peut-être un peu. J'étais peut-être un peu à la vue de tout le monde, non? Ouais, c'est peut-être ça. Alors, on va faire ça proprement. Et pourquoi je prends le flingue d'ailleurs? Moi, accessoirement, j'ai une mitraillette. T'as aimé ça, hein? T'es où? Il est en haut là, l'autre en haut, bam, dégage. Il est encore vivant? Ah, il y en a un autre. Ouais, ok, c'est bon, c'est scripté, y'a pas de problème. Oh,
Oh la vache. Eh ben j'ai pas beaucoup, j'ai perdu pas mal d'HP à nouveau là. C'est chaud, c'est chaud. Ah, il était là-bas le mec avec sa bécane. Vite, vite, vite. Il est où? Il est où l'enflure? Et il s'est barré le mec. Il s'est barré, vite la bagnole, la bagnole, rentre dedans. T'es dedans toi? Allez grouille. Dégage la route. Il est parti par où? Il est parti par où? Wow, excusez-moi madame, pardon, désolé, t'étais sur le chemin. Bah ouais, bah après tu dégages hein, tu vois que le mec il s'est pas roulé, tu bouges la route hein. Clairement. Et il est où maintenant? Tout droit. Toujours tout droit et à droite. Merde. Pourquoi? Faut tirer dedans? Maintenez pour viser, pour tirer, ok. Ouais c'est bon, il est où? Amène-toi. Il faut aller au car wash, d'accord, très bien. Eh, tu fais gaffe avec ma caisse, hein. Je te préviens. Super commode. Bien, ensuite, il faut aller où? Yes, on est en bécane. Wow, attends. Ouais, faut pas que je touche trop la caméra, parce que sinon, c'est un peu la merde. Là, c'est bien. Nice. Ok. J'ai réussi à faire une roue arrière, très bien. Salut, pardon. C'est la classe. C'est la classe. Bon, alors on va aller au... à ce fameux car wash là. Je sais pas si c'est pour laver la bécane ou si c'est pour laver la bagnole qui est un peu pleine de sang parce que j'ai dû écraser plusieurs personnes. Bon. On va voir. La grande classe. Et ce logiciel de son qui a nouveau merdé. Putain, il faut que je trouve absolument une solution pour ça. Je sais pas pourquoi. Et ça me gave, ça me frustre, ça m'énerve. Merde, c'est pas le bon tournant. Dame, c'est juste devant. Ah oui, tu es là, tranquille, il filme sa clope ou quoi? Nigga, that's that Apache blood in me, homie. Ouais, non, t'es complètement taré, c'est tout. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. What? You fucking tell him, you fucking moron. Le mec, il a embarqué la bécane nature. Mode, réalisateur, nouvel acteur, Simeon. Tire à la tête, 5 sur 6. Oh, dur. Réessayer. Tout feu, tout flamme. Oh, dur. Merde. Bon, bah, on a de nouveau merdé la mission comme des bleus. Enfin, moi, perso, comme un bleu. L'éditeur Rockstar, au fur et à mesure que vous progressez dans le mode histoire de GTA 5. Dans le mode réalisateur de l'éditeur Rockstar. Partout dans son adresse indique la présence d'inconnus et des détraqués avec lesquels vous pouvez interagir. Ah bah y'a un détraqué qui est pas loin là. Eh bien les amis, je vais aller voir ce détraqué. Mais par contre ça sera pour le prochain épisode. J'espère quand même que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Dites-moi ce que vous pensez du jeu, dites-moi si ça vaut le coup ou si c'est de la bombe ou pas. Si vous voulez d'autres épisodes, c'est les playlists Asomania. Si vous voulez vous abonner, c'est dans quelques secondes sur ma tête. N'hésitez pas, ça fait super plaisir. Moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.